bonjour, bonsoir à tous. On va commencer comme d'habitude dans quelques petites minutes en attendant que tout le monde arrive. Alors, je regarde qui est là. Amit, bonjour ou bonsoir. Sundar est avec nous. Ludivine est là aussi. Victoria est là. J'espère que ça va avec la peinture. Bickert est là. Save the best for the last est là aussi. Daria est là. Rita est avec nous. Bernardo est aussi ici. Ben écoutez, on va commencer si vous voulez bien. On va voir s'il y a d'autres personnes qui nous rejoignent. Kittle. Kittle nous rejoint aussi. Berilla71 est avec nous. Et Maria Bethania aussi. Amina Amona, mon Dieu, tout le monde arrive. Flowers in the Paradise est là aussi. Alors, je croyais que Victoria allait parler de la peinture, mais non, elle ne parle pas de peinture. Allez, en attendant que les autres arrivent, regardez la question habituelle. Quelle est la température chez vous aujourd'hui? Ça ne fait jamais de mal de parler de la météo. Alors, il fait combien chez vous? Quelle est la température, s'il vous plaît? Alors, Yvette Samara nous rejoint, CRB nous rejoint aussi, bonjour à vous. Allez, regardez la question, et la question, elle est simple, c'est pas très philosophique. Hein. Quelle est la température chez vous aujourd'hui? Cosmina Leka, Lika est là aussi, Pema Toutou est là, Monou Sharma, allez-y, je vous attends, Serene 554 est avec nous. Les températures commencent à arriver. Kittle Kittle qui nous dit 24, c'est pas mal. Pema Toutou qui nous dit 26. Alors, j'espère que nous parlons tous. Oui, je pense, oui. Flowers in the Paradise, 13 degrés. Oh, je ne sais pas où vous êtes, mais c'est intéressant. Zahra qui nous dit presque 46. Ça doit être terrible. Chachouat qui est là, qui nous dit comment ça va. Ça va bien, Chachouat. Répondez à la question, s'il vous plaît. Ice Cubes nous rejoint aussi. On parle de température, on parle de la météo, Ice Cubes, un petit peu. Vous savez, c'est pour discuter un peu avant de commencer avec les choses sérieuses. Sapna qui nous dit à Delhi 29 aujourd'hui. Ah oui. C'est pas mal, 29. CRB 26. Très bien. Sundar qui nous fait, il fait froid ce soir. Qu'est-ce que ça veut dire, il fait froid? Marie qui nous dit 24, d'accord. Cosminalika, 32. Ah oui, donc c'est quand même assez chaud. Jyoti qui nous dit la température est de 27. Pour Rita, c'est 22. Et Maria Bethania, donc à Brasilia, il fait 21 degrés. Bah écoutez, donc il ne fait pas très froid. Et ça, c'est la chose qui est assez positive. Alors regardons, je suis en train de regarder mon écran parce que c'est intéressant, il y a des choses qui se passent comme d'habitude, toujours des choses un petit peu qui se passent à la dernière minute. Et la question du jour, si vous aviez une baguette magique, comme vous pouvez voir à l'écran, la première chose que vous feriez avec, qu'est-ce que ce serait? Une phrase pour me répondre à cette question. Qu'est-ce que vous feriez
avec votre baguette magique. Marie-Andra qui nous rejoint, bonjour. Participez au cours, s'il vous plaît. I just called to say, bonjour, bonjour. 25, 25, c'est bien. 25, c'est la bonne température pour faire des exercices de français. Je ne sais pas si les gens ont peur de jouer un petit peu avec le conditionnel présent, parce que finalement, j'attends un petit peu quand même du conditionnel présent, mais ça y est, ça commence à arriver. Maria Bethania, qui est très courageuse, est la première. Je, alors faites attention, ferai, vous allez l'écrire FERAIS. D'accord? Donc ferait, c'est vraiment donc là le conditionnel présent et puis c'est la première personne. D'accord? Donc je ferai un, est-ce que c'est sandwich délicieux pour manger? Probablement, Maria Bethania. Et elle a effacé non. Daria qui nous dit si j'avais une baguette magique, la première chose que je ferais. Donc nous sommes d'accord, ferait, logiquement c'est AIS. Là on est vraiment dans le conditionnel présent. Avec cette baguette magique est la suivante. J'éradiquerai, avec un S aussi, toujours, toujours dans le conditionnel. C'est pas le futur, hein. C'est pas possible parce que le futur c'est quand même avec un grand degré de certitude. Donc là, Daria, c'est du conditionnel présent AIS, la pauvreté dans le monde. Écoutez, phonétiquement c'était parfait. Il y a juste le S qui manque quand vous écrivez. Merci beaucoup en tout cas. Bassette qui nous parle encore de la température. Cosminalika, si j'avais une baguette magique, la première chose que je ferais, très bien écrit AIS, serait de détruire le coronavirus. Ouais, moi aussi. Merci. C'était parfaitement écrit. Juste le si j'avais, vous, il n'y a pas de i avant le a et après le v. Entre le v et le a, vous n'avez pas de i. Cosminalika, ok? Avait, AVAIS. Pema Toutou, si j'avais une baguette magique, je. Alors, j'irais au Tibet. Irait, alors Pema Tutu, conditionnel présent. IRAIS. Merci. Sapna, j'appellerai AIS, conditionnel présent, mes parents et les informerai à propos de la baguette. Et après, ce qu'ils me diront, je le ferai. Ah, très bien, Sapna. Donc, vous dites à tout le monde, j'ai une baguette, faites les commandes. Oh, ça, c'est de la générosité incroyable. Sundar qui nous dit, si j'ai une baguette magique, la première chose que je ferai, c'est d'aller à Amsterdam et à Paris. D'accord. Donc là, vous l'utilisez en fait au présent. D'accord. Donc, présent, si j'ai une baguette magique, j'irai futur. Je l'accepte. C'est cohérent.
J'avais proposé si et puis l'imparfait, mais c'est bon. Quitole, quitole. La première chose que je ferais avec ma, c'est féminin, ma baguette magique, est de la montrer comme un balai magique, comme celui de Harry Potter, et voler haut dans le ciel. Oui. Et vous pouvez faire le jeu aussi qu'ils ont hein, là-bas, avec les ballons et les balles, et avec les... Oui, c'est pas mal, merci. Zahra, je ferai des voyages dans tous les pays. Très bien, Zahra, mettez le S, je ferai, un conditionnel présent. Merci. Badr, je voyagerai autour du Badr, monde avec E final. D'accord. Quelqu'un nous rejoint, bonsoir. TSE 2021, peace, participer au cours. Yasmina nous rejoint aussi, participer, merci. Bickert, je découvrirai un vaccin pour le corona, pour notre. Alors, ou, non, pour la santé du monde. D'accord? MNM19 nous rejoint aussi, bonsoir, participer, s'il vous plaît. Ice Cubes, ma baguette magique ferait avec une formule de chocolat et quelque chose qui me fait parler toutes les langues du monde, spécialement le français. Spécialement. Spécialement, ça vient de l'espagnol, on va dire, j'imagine. Donc spécialement, pas de E. Badr, je ferai des projets pour les gens qui cherchent du travail. I just called. Si j'avais une baguette magique, la première chose que je ferais serait de rendre tous les gens heureux. Merci. C'est très gentil. Vous êtes très, très généreuse, c'est gentil. Anbest nous rejoint, Seren 554. Si j'avais une baguette magique, je voudrais nettoyer toute la maison. Alors, c'était une baguette, c'était pas un balai, mais vous pouvez effectivement. Allez, comme chaque jour, enfin, pas hier, mais comme chaque jour, c'est la photo du jour. Que lui dit-elle? Et c'est Sundar qui commence et qui nous dit, je pense qu'elle est triste avec son mari. Bah alors, qu'est-ce qui se passe, Sundar? Regardez grammaticalement, souvenez-vous que, comme vous avez après une voyelle, vous allez retirer le e de votre que et vous mettez apostrophe. Je pense qu'elle est triste avec son mari. Ensuite. Très bien, excuse. Alors, qu'est-ce que. Sapna nous dit quoi? Sapna nous dit, excuse-moi, monsieur, c'est mon tournage, de clic la photo. Ah, donc, vous pensez qu'elle lui demande de partir, peut-être? Daria, on voit un jeune homme qui est souriant et positif et assez content, et une femme aux cheveux noirs. Qui l'attend. Faites attention, attendre quelqu'un ou quelque chose, ça veut dire que c'est direct, complément d'objet direct. Complément d'objet direct, troisième personne du singulier, le, la. Vous mettez le
et l'apostrophe. Qui l'attend? Qui l'attend? Et il me semble qu'elle a plusieurs questions pour cet homme. D'accord, j'espère que c'est des questions sympathiques, bien sûr. Ensuite, alors attendez, regardons. Save the best for the last. Elle dit, qu'est-ce que tu fais ici? C'est pas très positif, ça, hein? C'est un petit peu un reproche. Cosminalika, dans la photo donnée, je vois un homme indien habillé avec une chemise blanche et à côté de lui une femme qui porte un t-shirt noir. Alors Cosminalika, très bien, c'est une belle description. J'attendais que vous me fassiez une petite suggestion sur ce que la femme peut dire. Mais c'est parfait comme ça, Cosminalika, merci. Beaker, je vois deux coups. Qu'est-ce que vous voulez dire? Un homme et un jeune indien et une femme portent la chemise noire. Elle regarde et elle jette un coup d'œil à cet homme avec amour. Très bien, vous pensez que c'est de l'amour? Très bien. I just called qui nous dit, elle lui dit, arrête de regarder les femmes. Ah, vous pensez qu'il regarde des femmes? Oh non, mais bon, peut-être, c'est comme vous voulez. Kittle, Kittle, la jolie fille a un crush sur son ami, peut-être. Ah, c'est possible aussi. Ice Cubes, alors lui demande, elle lui demande si elle veut danser avec lui. Non, si il veut danser avec elle, peut-être, en nous regardant comme un youtubeur. Ah non, donc il lui demande si elle veut danser avec lui comme un youtubeur. Ah donc, il ne la regarde pas pour l'inviter. Oh, ça c'est très 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 mal poli, Ice Cubes. Zara qui nous dit, elle dit, regarde-le comme il est heureux, juste pour prendre une photo. Zara, photo, c'est féminin. Une photo. Badre qui nous dit la fille est tombée amoureuse de lui, d'accord? Amoureuse, Badre, vous allez le mettre au féminin. Hein? Donc amoureux, EUX, masculin. Amoureuse, EUSE, féminin. Bernardo, elle lui dit, qu'est-ce que tu viens faire chez la voisine à côté de chez nous? Ah, d'accord. Berilla, elle lui dit, nous n'avons pas assez d'argent pour acheter cette voiture. Ah, vous pensez qu'il veut acheter une voiture? Ensuite, alors, Curiosidades Enigmaticas nous dit, elle lui dit, pourquoi tu es sur YouTube? Ah, c'est une bonne question. Anbes qui nous dit, vous êtes... Alors, ah, très bien. Alors, c'est pas vraiment la question. Vous ne répondez pas vraiment à la question. Merci en tout cas. Sérène 554. Elle dit, pourquoi je suis derrière toi? Pas de, hein, pas la préposition de. Derrière toi. Devant toi. Derrière toi. D'accord? Yasmina, dans la photo, je vois un homme indien qui porte une chemise. Attention, chemise, c'est féminin. Donc, une. L'article féminin. Chemise. Et noir, l'adjectif au féminin, avec le E après le R, hein, Yasmina. Et à côté de lui, sa femme est en colère et jalouse. Oh, c'est terrible. Gosminalika, elle dit, tu me sembles encore plus noir habillé avec cette chemise blanche. C'est toujours comme ça. Hein. C'est comme moi, je suis très blanc. Si je mets du noir, je suis encore plus blanc. Badre qui dit amoureuse qui corrige. MNM19, qu'est-ce que tu fais là? Va faire la vaisselle. Tiens, ça me rappelle quelque chose, ça. Je l'ai déjà entendu, je crois. Alors, comme tous les jours, la personne du jour, donc vous, bah, j'espère que vous connaissez le concept. Je vous présente une personne et puis on va lire trois informations sur cette personne. Je vais les lire, c'est un peu une sorte de dictée finalement. Vous allez écouter, vous allez écrire. La personne que nous découvrons aujourd'hui est une artiste qui s'appelle Pomme. Alors, je ne sais pas si vous la connaissez, mais en tout cas, nous allons commencer avec la première information sur Pomme. Je vais lire cette phrase deux fois et vous allez bien sûr l'écrire. Attention. Elle est née le 2 août 1944
1996 à Lyon. Elle est née le 2 août 1996 à Lyon. Alors, c'est Cosminalika qui est la première. Elle est née le 2 août. Ouais, faites attention, 2 août, et après vous attaquez directement avec l'année. Bon, pas le, d'accord? Elle est née le 2 août 1996 à Lyon. Faites attention, Lyon, regardez, je vous donne l'orthographe de Lyon. On l'écrit avec un Y. Yasmina, elle est née le 2 août 1996 à Lyon. C'est très bien, Yasmina. Kittle, Kittle, oui, d'accord. Save the best. Faites attention, août, août. Regardez à l'écran. Et puis c'était 96, un petit peu plus. Save the best, vous inquiétez pas. On va réussir avec les chiffres et les nombres. I just called, elle est née. Ouais. Alors, I just called, faites attention parce que. Naître, on utilise avec être. Et donc, on va marquer le féminin. Elle est née, regardez, avec un E pour marquer le féminin. Le 2 août 1996, ouais, à Lyon aussi. Daria, elle est née le 2 août 1996 à Lyon, pas de problème. Bickert, attention, Bickert, août et 96. Sapna, oui, elle, elle, Sapna, hein, féminin. Ensuite, Badr, ouais, Badr, c'est bien. Ice Cubes qui nous avait parlé de pommes de terre. Ice Cubes, qu'est-ce que c'est que ça? Respectons les artistes. Alors, elle est née le 2 août 1996 à Lyon. Ouais, très bien écrit, Ice Cubes. Rita, elle est née le 2 août 1996 à Lyon. Ouais, pas de le 96, hein. D'accord, la même chose. Seren, 554. 4, ouais, Seren 554, féminin pour né, hein, d'accord? Né avec un E féminin. Ensuite, alors Flowers in the Paradise, qui dit que c'est sa chanson préférée, sa chanteuse préférée, très bien. Berilla, elle est née le 2 août. Alors attendez, 1000. Ah, il y a des personnes qui commencent à écrire des choses assez incroyables. Je dois effacer, quelqu'un a envie de nous embêter. Berilla, c'est bien, ouais. CRB, CRB, c'est bien aussi. Bassette, faites attention, regardez, c'était le 2 août 96 à Batna. Ah, c'est votre date de naissance, peut-être. Allez, deuxième phrase concernant cet artiste. Je vais lire deux fois la phrase. Elle est une auteure, une compositrice et une interprète française. Elle est une auteure, une compositrice et une interprète française. Allez-y, écrivez s'il vous plaît. Alors, c'est comme d'habitude, Cosminalika qui est assez efficace, je dois dire, qui nous écrit. Elle est une auteure, une compositrice et une interprète française. Ouais. Alors, auteur comme ça, ma génération l'accepte, mais
On suppose maintenant que les heures, on peut mettre un e pour le féminin. Donc, soyons féministes, c'est-à-dire marquons le féminin si c'est possible, hein. Donc, auteur avec un e, compositrice, regardez comment on l'écrit. Kittle, kittle, même chose, compositrice, interprète, ouais. Auteur, kittle, kittle, on peut le mettre au féminin maintenant. Yasmina, pareil, auteur. Au féminin, compositrice, interprète, d'accord. Daria, merci. Merci Daria, vous avez marqué le féminin à auteur. Et ça, c'est important. Si on peut le marquer, on le marque. Ice Cube, c'est pareil. Très bien pour le féminin de auteur. Compositrice, là, c'est discutable. C'est compositrice avec un O après le C. Badr, elle est une auteure avec un E, compositrice. Victoria, elle est une. Ouais, regardez Victoria, une auteure. AUTEURE. Compositrice, interprète française. Le reste, c'est parfait. Je continue de regarder, d'explorer. Très bien. Alors, non, non, Bernardo, il y a, c'est pas Zaz, hein, elle s'appelle Pomme, hein, Bernardo. Je vous ai donné le nom de cette personne. Je regarde. Nana, c'est oui. Auteur au féminin, ce serait idéal. Sérène, même chose. Auteur avec un E, ce serait idéal. MNM19, auteur féminin, ce serait bien. Maria Bethania, auteur féminin aussi, ce serait pas mal. Très bien, regardons. Et puis même chose, Save the Best. Allez, allez, allez sur le féminin parce que c'était féminin. Une auteur avec un E. Beryl à 71. Ouais. Bon, bah écoutez, c'est pas mal. Oh! Michel nous rejoint. Bonjour Michel, j'espère que vous allez bien. Regardez Michel, l'idée c'est que pour certaines professions comme auteur, si on peut mettre le féminin et on a envie de mettre le féminin, on va le mettre et donc on met un E à la fin. Hein. Ma génération, on ne nous autorisait pas à mettre le E, mais maintenant c'est possible. Alors attention. Pour la dernière information concernant cet artiste qui s'appelle Pomme. En 2020, virgule, son album a obtenu le prix de l'album Révélation de l'année. En 2020, virgule, son album a obtenu le prix de l'album Révélation de l'année. Allez-y, écrivez cette phrase. Alors, c'est Yasmina qui arrive en première position et qui nous écrit en 2020. Son album a obtenu le prix de l'album Révélation de l'année. Très très bien écrit, Yasmina. Félicitations. Kittle Kittle en 2020, son album a obtenu. Ouais, vous avez oublié le prix. Hein. Et puis, regardez pour Révélalala. Il n'y a pas de i. D'accord? Mais merci beaucoup pour les illustrations. Kitol, kitol, c'est très gentil. Daria, en 2020, son album a obtenu le prix de l'album Révélation de l'année. Très bien. Cosminalikar. Ouais, faites attention. Album, c'est UM. Hein. Ouais, le reste, c'était bien. Bicurt. D'accord? C'est pas la révolution, Bicurt.
C'est la révélation, c'est pas pareil. Ensuite, I just called a obtenu le prix. Regardez, prix, on écrit avec un X. Très bien, Sapna. Ouais, attention, le prix de l'album révélé. Non, non, c'est bien. De l'année, Sapna, de l'année. Regardez à l'écran. Hein. Ice Cubes. C'était bien. Flowers in the Paradise, son album a obtenu le prix de l'album. Ouais, c'est bien écrit. Franchement, véritablement, c'est bien tout le monde. Attention, Maria Bethania, son album a obtenu. Hein. Donc oui, le verbe c'est obtenir, mais c'est le passé composé. Ensuite, alors attendez, Victoria possesse. Ouais, vous avez oublié la préposition pour introduire l'année. Hein. En 2020, en, hein. D'accord. Oh, Michel, il a un petit peu de délai. On n'est pas synchronisé, Michel. Quand vous entendrez ça, cliquez sur rafraîchir pour que nous soyons synchronisés. Les autres, je pense que c'était assez bien. On baisse, attention, l'album. L apostrophe album. Je regarde les autres. Non, ça a l'air d'être bien. Si vous avez l'occasion, je vous invite à découvrir cet artiste qui s'appelle Pomme. Donc, elle est née le 2 août 1996 à Lyon. Elle est une auteure, une compositrice et une interprète française. En 2020, son album a obtenu le prix de l'album Révélation de l'année. Alors, les expressions idiomatiques, regardons, on va en découvrir trois. Et donc, bien sûr, l'idée, c'est de découvrir des expressions idiomatiques. La première que nous découvrons, finalement, c'est avoir le cœur sur la main. Hein, donc, on va utiliser le verbe avoir que nous allons conjuguer, le cœur sur la main. La signification de cette expression idiomatique, c'est être généreux. Hein, donc quelqu'un qui est généreux, c'est quelqu'un qui a le cœur sur la main. D'accord? L'exercice maintenant, s'il vous plaît, c'est de m'écrire une phrase avec je à la forme négative au présent de l'indicatif. C'est de la conjugaison et des expressions idiomatiques en même temps. Allez-y, ça doit être assez rapide. Attention Daria, c'était la forme négative, s'il vous plaît. Alors, curiosidades, enigmaticas. Ah non, vous avez retiré. Faites attention. De façon générale, souvenez-vous que la négation est composée de deux parties, ne et pas. Donc là, je regarde. Oui, Daria, vous aviez mis à la forme affirmative. Donc je regarde Cosminalika qui est en première position. Après, je n'ai pas le cœur sur la main parce que je n'aime pas les gens. Ça va être assez sombre et assez négatif, j'ai l'impression. Yasmina, qui est quelqu'un de très positif, même si j'avais demandé une négation. Daria, qui a corrigé. Kittle, Kittle, qui ne veut pas écrire à la négation. Ash Watson, bonjour Ash, comment ça va? Qui nous écrit ça, la forme affirmative.
Tout le monde veut mettre de l'affirmatif. Bon, bah écoutez, pas de problème, pas de problème. Victoria, qui l'a bien écrit à la forme négative. Ice Cubes aussi. Abir, bonjour Abir, comment ça va? Qui l'a bien écrit à la forme négative. Bickert aussi. Je sais qu'on n'a pas envie d'écrire à la forme négative, mais là, c'est vraiment un exercice uniquement pour travailler sur la conjugaison. Deuxième expression idiomatique qui est vraiment amusante puisque c'est appuyer sur le champignon. Je ne sais pas si vous la connaissez. C'est une expression idiomatique qui veut dire accélérer. Quand vous êtes en voiture, vous conduisez en voiture, vous accélérez. L'expression, c'est appuyer sur le champignon. Attention, appuyer, verbe régulier du premier groupe. Donc, vous allez le conjuguer comme un verbe régulier normal. En tout cas, je vous demande maintenant, et s'il vous plaît, c'est toujours la forme négative parce que c'est un petit peu plus difficile avec la forme négative. On essaye toujours de mettre le ne et le pas. Là, la forme L, passé composé de l'indicatif, s'il vous plaît. Et voilà, Abir est la première à nous donner la bonne forme. Merci beaucoup, parce que c'est pas facile de mettre la forme négative au passé composé. C'est pour ça que j'avais demandé ça. Donc nous sommes d'accord que le ne et le pas doivent être autour de l'auxiliaire avoir ici. Donc elle n'a pas appuyer sur le champignon, ça c'est parfait. Donc elle n'a pas appuyé, d'accord. Sur... Bickert, on met pas de couleur, c'est pas un champignon blanc, c'est un champignon, c'est l'expression. Ne changez pas les expressions. Daria, elle n'a pas appuyé sur le champignon. Oui. Alors faites attention, Seren 554. Souvenez-vous, comme on utilise appuyer avec avoir, et là c'est bien. Ça veut dire que on ne va pas accorder le participe passé avec le sujet. Donc vous ne mettez pas le féminin sur appuyer, d'accord? Ensuite, alors donc Michel, ouais, je n'ai pas appuyé, d'accord, effectivement. Mais j'espère que sur la route, vous respectez les limitations, Michel, quand même. Un minimum. Kittle, Kittle, il n'a... Ah ben non, il n'a jamais appuyé. Ouais, faites attention. Si, Kittle, Kittle, si vous remplacez jamais, c'est-à-dire que si, ou pas par jamais, c'est la même chose. Il n'a jamais appuyé sur le champignon. Faites attention, hein, même positionnement. Très bien, je regarde. Alors le positionnement pour les autres, elle n'a pas appuyé, elle n'a pas... Oui, Victoria, c'est bien. H, les garçons. Ah, vous avez envie de changer. N'ont pas appuyé sur le champignon. Donc, je suis en retard aujourd'hui. Formidable, H. H. Watson, c'est formidable ce que vous m'écrivez. Merci, c'était parfait. Ensuite, alors attendez, Beryl a 71, elle n'a pas appuyé sur le champignon. Bah, écoutez, je pense que tout le monde a trouvé la bonne façon d'écrire. C'était pour faire un petit peu, bien sûr, de conjugaison. Daria pose une question. Daria dit, Vincent, dites-moi s'il vous plaît, est-ce correct d'écrire le ou de après pas? Dans l'exemple, avoir le cœur dur sur la main. Daria, développez la question parce que je ne... Malheureusement, je ne comprends pas votre question. Dans l'exemple, avoir le cœur sur la main. J'ai le cœur sur la main. Je n'ai pas le cœur sur la main.
Est-ce que c'est l'idée de est-ce que le se transforme en de? Essayez de développer votre question, s'il vous plaît. J'ai vraiment envie de prendre le temps d'y répondre. Donc, pas de problème. Le champignon, c'est la voiture, demande Victoria. Non, le champignon, Victoria, c'est la pédale d'accélération. Vous savez, vous appuyez avec votre pied sur la pédale d'accélération. Et ça, c'est appuyer sur le champignon. D'accord? Alors regardons la troisième expression pour aujourd'hui. C'est une expression intéressante qu'on entend assez fréquemment et c'est avoir du nez. Donc le nez, c'est ce que vous avez sur votre visage. Nous sommes d'accord? Avoir du nez, l'expression veut dire avoir de l'intuition. D'accord? Avoir du nez veut dire avoir de l'intuition. S'il vous plaît, comme d'habitude, une phrase à la forme affirmative. Et là, vous allez être content, mais au futur simple de l'indicatif, il au pluriel. S'il vous plaît, une phrase pour utiliser cette expression. Merci. Alors Daria développe, et c'est très bien. Non, ouais. Alors Daria, non, je n'ai pas le cœur sur la main. D'accord? Avoir le cœur sur la main. Alors donc souvenez-vous que le en fait n'est absolument pas modifié par la négation, hein. Donc je n'ai pas le cœur sur la main. Donc signification effectivement, hein, donc comme on connaît. Mais donc avoir le, ne pas avoir le cœur sur la main. Alors, nous sommes d'accord, hein, que le verbe avoir, il est toujours un petit peu spécial quand on le conjugue au futur simple ou même finalement au conditionnel présent parce que c'est la même racine. Le verbe avoir se transforme mystérieusement en or pour la racine A-U-R. Et après ça, vous mettez les terminaisons. J'aurai A-I. Tu auras à S, il aura à, nous aurons au NS, vous aurez EZ, ils auront au NT. Et donc ici, attention, attention, parce que là je suis en train de regarder. Alors, la difficulté, bien sûr, c'était en premier la forme. Auront. Habillir, attention, auront ONT et pas ONS. La deuxième difficulté, c'est finalement la négation de du. Et en fait, quand on utilise. Ah oui, mais non, là, c'est la forme affirmative. Donc là, il n'y a pas de problème. Donc, ils auront du nez. Mais la négation du, ce serait de. Mais là, pour l'instant, faites attention. Donc, Daria, je dis oui, ils auront du nez. Cosminalika, je dis non, ils n'auront pas de nez. Mais là, je demandais, Cosminalika, la forme affirmative. Ice Cubes, ils n'auront pas de nez. Ils auront du nez à forme affirmative que je demandais. Ensuite, je vois donc Victoria, ils auront du nez. Victoria, elle a écouté les indications. Merci beaucoup, Victoria. CRB, attention, attention, ils n'auront pas de nez. Si vous voulez aller dans la négation, je regarde les autres. H qui nous dit j'aurai. Mais tout le monde fait ce qu'il veut ici. Hein. J'aurais du nez, c'est parfaitement écrit H. Watson, mais H, je demandais il au pluriel. Je vais commencer à pleurer. Je vais pleurer bientôt. Berilla 71, ils n'auront pas de nez.
Je demandais la forme affirmative, Périglas 71. Hein. Ils auront du nez. Bon, bah écoutez, c'est comme ça. En tout cas, vous venez de découvrir mais trois expressions, quand même, qui sont des expressions vraiment, vraiment classiques. Là, ce n'est pas du français, hein, ce n'est pas du français familier, mais c'est vraiment des expressions idiomatiques. Allez, on va revenir à nos exercices classiques. Et vous le savez, c'était des classiques. On a fait ça pendant la première période de ces exercices, la première saison. Vous avez une phrase en anglais, vous avez la traduction en français et il manque un mot. Cherche le mot. Et là, c'est Cosminalika qui est en première position. Malheureusement, vous avez mis un accent. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Il n'y a pas d'accent quand on dit prescription. Et en plus, ça n'est pas vraiment le mot qu'on utilise. Michel est le premier à nous donner le mot. C'est un peu normal. Monsieur est dans la partie. On appelle ça une ordonnance, en français. Donc, ce que le médecin va vous écrire pour ensuite aller à la pharmacie et avoir le traitement, les médicaments. On appelle ça en français une ordonnance. Et c'est assez intéressant, hein? C'est assez intéressant, effectivement. Michel Killy avec un petit O, pas de problème. Vous inquiétez pas. Allez, la phrase suivante. C'est Cosminalika qui est en première position, comme souvent je dois dire. Cosmina, pardon, Cosminalika. Donc, dur, oui, c'est effectivement ce que nous cherchions. Combien de temps dure le voyage? Donc, durer ici, c'est le verbe, hein? Alors, je regarde les autres. Ice Cubes, vous l'avez. Kittle, Kittle, ça prend. Moi, je voulais juste un verbe, on est d'accord. Hein. Bickert, c'est bon. Anbess, c'est bon. Ash, c'est bon. Ouais. Alors, après ça, Seren 554, oui, pas de problème. Je regarde les autres. Berylla 71, oui aussi. Parfait, ben, on continue. Hein. Et encore une fois, c'est Cosminanilika qui est en première position et qui a bien trouvé l'article. Ice Cube est juste après. Faites attention, Bickert, c'est pas vraiment là, hein, c'est plutôt une, puisque c'est une question qui est très très très
général Kittle Kittle qui est un petit peu dans la forêt en ce moment. Abir, oui. Ash Watson, oui. Michel, oui. Sapna, oui. Seren, non. Seren 554. Faites attention, et c'est vraiment important la différence entre ces deux types d'articles, hein, le une et le la. Ici, c'est vraiment une, parce que c'est en général. Vous posez la question et c'est en général. Vous ne voulez pas définir parce que vous ne savez pas. I just called, qui écrit, ouais, qui écrit la phrase, c'est parfait. Beryl à 71, très bien. Ice Cubes aussi, une piscine, très bien. Badr aussi, eh ben écoutez, c'est parfait, on continue. Alors, Lika est la première aussi. Alors là, j'imagine que personne ne peut faire une erreur. Si je vois une erreur, je pleure. Alors attendez, regardons. Jusqu'à maintenant, c'est formidable. Donc, nous sommes d'accord. Cosmina, c'est bon. Bickert, c'est bon. Abir, c'est bon. Ash, c'est bon. Ice Cube, c'est bon. Sapna, c'est bon. Nourhamin, c'est bon. Curiosidades, c'est bon. Seren 554, c'est bon. Save the Best, c'est bon. Flowers in Paradise, c'est bon. Badr, c'est bon. Michel, oui, allez-y, laissez un message. Mais, écrivez-moi le mot. I just called. Un message. Ah, vous avez écrit la totalité, excusez-moi. Oh, I just called. Mais qu'est-ce qui s'est passé? I just called est la personne qui va faire une erreur et qui va me faire pleurer. I just called a écrit massage et pas message. Oh, bah écoutez, bah ça y est, je vais pleurer. C'était massage. Tous les autres ont trouvé la bonne réponse, mais I just called a écrit massage. Oh non! Allez, la phrase suivante, s'il vous plaît. Alors là, ça va être intéressant. Bon, on imagine que c'est plutôt toi. Je regarde et je prends le temps parce que j'avais vu Nouhamine qui proposait vous grammaticalement. Ouais, c'est tout à fait possible. On imagine que c'est plutôt toi parce qu'il y a une dimension un petit peu romantique, deux personnes qui se connaissent. En général, ces personnes vont se tutoyer, vont utiliser la forme tu. D'accord? Mais c'est grammaticalement possible de dire vous. D'accord? Donc là, pour l'instant, tout le monde était à peu près d'accord. On peut continuer.
Et Cosmina Lika est encore en première position. Elle est incroyable. Santé avec un accent aigu, c'est magnifiquement écrit. Kitol Kitol est juste après. Malheureusement, Kitol Kitol mettait l'accent dans l'autre sens. C'est pas accent grave, c'est accent aigu, mais c'est pas grave. Seren 554, c'est formidable aussi. Daria qui n'a pas d'accent, et ça on le sait. Abir, c'est donc c'est bien Daria. Abir avec l'accent, c'est formidable. Formidable. H qui n'a pas d'accent, Sapna, oui. Bah écoutez, je vous l'ai mis à l'écran, donc vous voyez effectivement, je pense que tout le monde l'a trouvé. Maria Bethania, faites attention, c'est pas tellement humeur, hein, c'est vraiment la santé. Hein. Ici, si vous êtes malade, si vous avez un problème médical, vous êtes peut-être en mauvaise santé. Attention à Just Count, c'est. Ouais, santé, c'est féminin. Donc ça veut dire que votre adjectif, comme vous voyez à l'écran, c'est mauvaise. D'accord? Mauvaise santé. Allez, ça continue. Mais que se passe-t-il? Cosminalika, encore en première position, elle est incroyable. Et c'est correct, et c'est correct, félicitations. Donc nous étions ici à la recherche, en fait, de l'adverbe bien. Je me sens bien aujourd'hui. C'est très bien. H. Watson, faites attention. Ici, c'est vraiment un adverbe. Là, vous proposez l'adjectif. Hein, l'adjectif, c'est bon. Ok, c'est la même famille, c'est la même famille, mais comme c'est quelque chose qui vient compléter un verbe, c'est un adverbe et pas un adjectif qu'on voudrait avoir. Ici, c'est l'adverbe bien. Je regarde, bah écoutez, apparemment tout le monde me donne des bonnes réponses et c'est formidable. Nous continuons, si vous voulez bien. Alors là, on pousse les limites. Hein. La question, c'est de savoir qui c'est ça. Et regardez, c'est Sapna. Sapna vient de détrôner Cosminalika. Alors, Sapna, carte, oui. Bickert, faites attention, c'est avec un T, comme vous voyez à l'écran. Cosminalika, oui. Carte. Cartel n'existe pas, mais carte existe. Vous avez appris un nouveau mot. Youpi, youpi. Nouhamine, ouais. Ice Cube, c'est bien. Berylla 71, c'est bien. Kittle Kittle, c'est bien. Badr, attention, carte avec un E. H. Watson, c'est bien. Sundar, c'est parfait. Seren 554, c'est bien. Save the best, oui. Flowers in Paradise, oui. Cassandra, oui. Michel, magnifiquement écrit, merci beaucoup. Et j'espère que vous passez des bonnes vacances, Michel. I just called, oui. Victoria, magnifique. Maria Bethania, très bien. Abir aussi, CRB aussi. Bah écoutez, Boucham, ouais. Carte, faites attention, carte, on ne dit pas de, hein, carte SIM, tout simplement. Curiosidades, c'est très bien écrit.
Je ne peux pas vous laisser partir sans la dictée du jour, ça n'est pas possible, sinon je dormirai très très mal. C'est la dictée du jour et nous commençons bien sûr avec le niveau A1. J'espère que vous êtes prêts. Comme d'habitude, je vais lire la phrase deux fois, vous allez écrire et nous allons regarder ensemble. Attention. De lecture. Elle ne le regarde pas tendrement. Elle ne le regarde pas tendrement. Cosminalika a repris son clavier et ouais, c'est parfaitement écrit. C'est parfaitement écrit. J'avais envie. Alors, je regarde Kittle Kittle. Oui, elle ne le regarde. Oui, d'accord. Ouais, faites attention, Nouhamine. Conjuguez votre verbe. Daria, c'est parfaitement écrit. Habir, très bien aussi. Anbess, ouais, très bien. Kate. Oui. Kate, parfait. Michelle, oui. Bickert, faites attention, Bickert, elle ne le regarde pas. Il n'y a pas de de. Hein. Je ne sais pas pourquoi vous avez mis la préposition de. Vous n'avez pas besoin de la préposition de. Badre, oui. Flowers in the paradise, oui. Ice cubes, pas de problème. Sapna, c'est bien. Sapna, attention, tendrement, regardez, c'est T-E-N, hein, d'accord? Phonétiquement, c'est OK, mais T-E-N, c'est comme ça qu'on écrit. Ash Watson, elle ne le regarde pas tendrement, parfait. I just called L, oui, L, avec un E pour le L, E, L, L, E. Le reste, c'est parfait. Curiosidades, elle ne le regarde pas, ouais, parfait. Seren, 554, très bien écrit. Victoria, ah, vous avez oublié le. Vous n'avez pas entendu le. Il y avait un adverbe. Tendrement, c'était l'adverbe. Hein. Le reste, c'est parfait, hein, Victoria, pas de problème. Save the best, elle ne le regarde pas tendrement, ouais. Berilla, c'est bien. Sapna, qu'est-ce que tendrement? Ah, ça, c'est une question philosophique, Sapna. Tendrement, c'est avec douceur. C'est la tendresse. Avec douceur, oui, c'est ça. Je pense que ce serait la meilleure solution et la meilleure façon d'expliquer. Sundar, elle ne le regarde pas tendrement. Faites attention, CRB. Ouais, regarde, vous avez corrigé, c'est parfait. Sundar, vous avez un problème de connexion. Pas de problème, ne vous inquiétez pas, c'est pas très très grave. Si ça marche pas aujourd'hui, ça va marcher demain. Attention, niveau A2. Nous ne voulons pas les lui apporter. Nous ne voulons pas les lui apporter. Alors, juste avant de corriger quand même ce que vous venez d'écrire, n'oublions pas que Kittle Kittle apporte un petit peu de philosophie. Pourquoi nous étudions Platon? Pourquoi nous étudions tous ces philosophes alors que probablement Rimbaud est le plus grand philosophe de tous qui dit « J'ai besoin de tendresse ».
Alors, je regarde maintenant, puisque bien sûr, quelle surprise, Cosminalik est la première. Nous ne voulons pas les lui apporter, c'est parfaitement écrit comme d'habitude. I just called, nous ne voulons pas les lui apporter. Daria, oui. Kate Lott, nous ne voulons pas. Faites attention, Kate Lott, c'était lé. J'avais vraiment envie, je veux dire, dans cette phrase, de vous donner les deux pronoms. Avant l'infinitif, les lui apporter. Hein. Donc c'était pas le lui. Le positionnement est bon, le concept est bon, Kate Lott, mais ici c'était juste phonétiquement, c'était les. C'était pas le. D'accord. Pour les autres, bah écoutez, apparemment ça a l'air bien. Nourhamine, vous avez utilisé huile apportée. Non. Regardez votre écran et vous comprendrez que c'était un tout petit peu différent. Nous attaquons le niveau B1. J'espère que vous êtes prêts. Attention, deux lectures. Si tu veux, virgule, je vais pouvoir passer chez toi ce soir. Si tu veux, virgule, je vais pouvoir passer chez toi ce soir. Allez-y. Alors, je regarde Cosmina. Si tu veux, je vais pouvoir passer chez toi ce soir. C'est pas un problème. Kittle, Kittle, si tu veux, je vais pouvoir passer chez toi ce soir. Parfait. Daria. Oui, Ice Cubes. Oui, I just called. Attention, vœu avec un X. Attendez, j'appuie là comme ça, vous le voyez. Ouais, le reste était bon. Seren, 554. Ouais. Abir, pas de problème. Bickert, c'est bien. Nouhamine, faites attention, Nouhamine. Si tu veux, VEUX, hein, c'est le verbe vouloir. Et passer avec ER, parce que c'est le deuxième verbe ici, même c'est le troisième, donc infinitif. Hein. Flowers in the paradise, si tu veux. Ouais. Michel, pas de problème. Ritu, oui. Ouais, chez toi, Ritu, c'est bizarre. Il hein. Y a pas de, y a rien entre chez et toi. Hein. Chez, espace, toi. Anbes, si tu... Ouais, I just called ce soir. Vous rajoutez une information supplémentaire, I just called. Ash Watson, si tu veux. Ouais. C'est incroyable, vous êtes très très bon. Félicitations, attention Badr, si, hein. Si, c'est un i. Sapna, ouais, faites attention, Sapna, il n'y a pas de virgule après si, hein. Si tu veux, hein. Donc oui, le reste c'était bon. Victoria, si tu veux, je vais pouvoir passer. Attention Victoria, passé infinitif, hein. Phonétiquement c'était bien Victoria, pas de problème. Berilla, si tu veux, je vais pouvoir passer. Berilla 71, passé ER aussi. Oui, d'accord, vous avez corrigé juste après. Merci beaucoup. Mais écoutez, pas de problème. Attention, attention. Et c'est la dernière phrase. Nous n'imaginons pas qu'elle sache réparer ma moto. Pardon. Nous n'imaginions, nion, excusez-moi, nous n'imaginions pas qu'elle sache réparer ma moto. Merci pour votre patience.
Alors, Cosmina qui nous dit, nous n'imaginions pas qu'elle sache réparer ma moto. Oui, merci beaucoup. En plus, vous avez corrigé mon erreur de la première lecture. Merci beaucoup. Kittle, Kittle. Ouais, c'était bien. Ah, attention, ouais, quelle. Regardez comment je l'écris. Parce que finalement, c'est nous n'imaginions pas que. D'accord, Kittle, Kittle. Et après, vous avez votre sujet, elle. Ça pourrait être ici, finalement, je le mets au singulier, ça pourrait être au pluriel. Ça, c'est une autre discussion, mais c'est vraiment que, et donc l'apostrophe, que, elle. D'accord? Ensuite, je regarde, Daria. Ouais, vous me le mettez au singulier, c'est parfait, c'est bien. Attention à Ice Cube, c'est la même chose. Quelle? Q-U apostrophe E-L. Que elle. Avec l'apostrophe. Hein. I just called, nous n'imaginons pas quelle même chose. Oui, apparemment, certaines personnes ont eu des difficultés avec le quel. Quel. C'est imaginer que. Hein, ou ne pas imaginer que. D'accord? Je regarde les autres. Victoria. Ouais, Victoria, vous avez oublié le sujet. Elle, sache. D'accord. Sérène, même chose, Sérène 554. C'était quel, mais c'était que elle. Et ça, c'est quelque chose qui est difficile. Pas de stress, hein, on va travailler sur ça pendant les cours suivants. Ne vous inquiétez pas. Flowers in the Paradise qui fait la correction. Ash Watson, nous n'imaginions pas qu'elle sache réparer ma moto. C'est parfaitement, parfaitement écrit. Berylla 71, nous n'imaginions. Oups! Attention, Berylla, vous avez mal écrit votre verbe imagi. Vous avez écrit imagion. Hein? Imaginions. D'accord? Qu'elle sache réparer ma moto. Eh bien, voilà. C'est la fin de notre cours. Demain, nous continuons, même si c'est dimanche, pas de problème, je serai là. Merci beaucoup encore une fois. C'était vraiment, vraiment très, très sympathique de passer cette heure avec vous. Donc, rendez-vous demain. Et puis ça va continuer la semaine prochaine, ne vous inquiétez pas. Très bien, passez une bonne journée, matinée, après-midi ou nuit et rendez-vous demain.